Fashion Police Africa. C'est encore moi, la dof de la mode, Doudjian Diaye, en compagnie de mon très beau et charmant chroniqueur. Bonjour. Bonjour Doudjian, ça va? Tu vas bien? Super bien, toi. J'adore ce style-là. Merci. Oh là là. J'ai essayé de changer de look et tout. Je me suis posé tas de questions si ça allait le faire et tout, mais ça visiblement... Fait, hein? Ça le fait. Alors, si... Très sincèrement, il faut tester à beaucoup de choses, faut tester à beaucoup de choses, faire des choses. De temps en temps, on fait des trucs fun, hein, pour fou. Ouais, aussi, c'est hein. Clair. En tout cas, je suis pas prêt pour enlever ça. Donc, ah ouais, vraiment. Faut pas. En plus, il fait chaud, ça fait moins de mèche. Je t'assure. Toi-même, tu connais la galère. Ah, je t'assure. Ah, mais bien sûr. Tu penses que c'est pourquoi j'attache tout le temps ce truc-là en haut, que rien ne tombe, que rien ne me touche. Surtout actuellement, là. Ouais, c'est pas super, évident, franchement. Super chaud actuellement, là. C'est la galère. Ouais, d'ailleurs... Voilà. Toi aussi, j'aime bien ta tenue, tu vois. Merci, simple, merci. Décontracté. Ça a un prix comme d'Adama et d'Adama. En tout cas, ça le fait. Hein. Ça le fait. Ouais, ça fait ressentir ton teint et puis... J'adore. Je disais que le rose m'irait bien, je dirais non. Hein. Ah, tu vois. Mais là, tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es ici à autre chose et puis ça le fait. À autre chose ou bien un peu à la culture. Hein. Mais ce qu'on aime, ce qu'on adore, on va dire non, pagne, les tout ce qu'on adore d'habitude. C'est bien de changer des fois. Exactement. C'est autre chose. Et c'est là que tu te redécouvres et qu'on sort et tout, tu vois. Tu te rends compte que ouais. Mais je ne suis pas prêt d'essayer à nouveau. Hein. Pas maintenant en tout cas. Ok. Yes. Alors tu nous emmènes où cette fois-ci? Tout droit du côté de Lagos au Nigeria, où s'est tenu le dimanche 13 juin, l'avant-première du film Ayela. Et l'avant-première avait pour thème l'extravagance culturelle. Donc aujourd'hui, on va avoir des bêtes de style. Yes. J'ai tellement hâte, voilà. Yeah. Et non, sur ce, Ayinla est un biopic musical basé sur la vie d'Ayinla Youssef, populairement connue sous le nom d'Ayinla Omuwura, une musicienne d'Apala qui a été poignardée à mort par son manager nommé Bayewu lors d'une bagarre dans un bar le 6 mai 1980 à Abeokuta. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Jumoke Odetola en comment on lit ce designer là, c'est 3 and 4 fashion ou c'est 3 et 4 fashion, en tout cas vu qu'on parle français. Donc. Ouais, 3 et 4 fashion, et 4 vu qu'il y a le mot fashion, on va dire 3 and 4 fashion. Voilà. And four fashion. Exactement. Donc là, très sincèrement, qui sort dans un look extravagant comme le thème, et elle est extraordinaire aussi, super bien habillée, très tendance, et pour retrouver ce côté culturel, elle nous a quand même offert le pagne africain qu'on connaît peut-être dans un autre voilà, en imprimé, peut-être pas exactement le pagne tissé, parce que c'est quand même, en regardant, tu peux te poser beaucoup de questions, et on revoit aussi ce côté tendance au niveau de la jupe. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué ces temps-ci, même tous les designers, à ce que je vois, ça donne maintenant à ce style de couture maintenant. Tout le monde, ça donne à la tendance. Font, exactement, ils en font des phalanges, des colliers actuellement très jolis avec le pagne. Là, on sent très sincèrement la modernité, on sent aussi ce côté culturel, et ce qui fait que très sincèrement, elle a respecté les thèmes. Elle est très chic, très belle, en même temps, j'adore ces nattes. Quelle idée de mettre des nattes avec ce genre de... Je t'assure, ça reste totalement dans le thème et dans le délire. Et tu vois, elle a rattrapé le coup, elle n'a pas cherché à se saturer déjà, parce que déjà, le look est assez volumineux, ça comporte tellement de détails. Donc là encore, porter une tresse assez, tu vois, complexe et tout, ça allait casser le délire. Non, ça allait faire too much. Mais elle a bien compris, tu vois. Non seulement elle a respecté le thème, et elle a opté pour un truc simple, équilibré, et qui met en valeur, tu vois, son visage et tout. Après, revenons au look. Je trouve que c'est un look assez futuriste. Je sais pas, tu as vu le rapport et tout, mais ça me fait penser à l'époux de ta soirée. Exactement. Dès que tu la vois, en fait, ça te fait directement penser à elle. C'est carrément son délire. Ouais. Et c'est vrai que voilà, ça fait un bout de temps qu'on la voit faire ce genre de truc, mais maintenant, c'est genre répondu. Exactement. Ce n'est plus à Lupita, mais voilà. C'est à tout le monde. Et elle a créé le concept et puis voilà, on a... Tout le monde s'est reconnu dans ça et puis on est, voilà quoi, tu vois. Après franchement, j'adore le look, comme tu l'as dit. Non seulement c'est du wax, mais on dirait du bougoulon. Exactement. Parce que par rapport au motif et tout ce qui va avec. Et je trouve aussi que le bleu lui va ravir. Ça fait ressortir son teint et puis voilà. Et après la jupe, elle est aussi très tendance. Très tendance. En tout cas, il y a plus, tu vois, d'arguments à rajouter, c'est nickel. Elle était dans le thème, top, très moderne, tout, culturellement,
Très sincèrement, ça fait. Alors, tu lui donnes une note de combien? Un 7. Les bandes notes Ah, vont pleuvoir ça! aujourd'hui. Ah, Dieu, arrête de lire dans ma tête! Un 7 aussi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Lilo Adegroba dans Saint-Alex? Ouais, c'est un Ok, mec. Saint-Alex. Notre designer qu'on découvre aussi. Tous les jours, on en découvre hein, de nouveaux stylistes, des designers certainement africains et vous aussi. Et ça fait réellement, ça fait très, très sincèrement plaisir de voir les belles réalisations que ces autres designers qu'on fait. Des gens peut-être pas très connus au niveau international, mais qui font de bons boulots, qui Également. font d'aussi bons boulots que ce qu'on a l'habitude de voir, que ce qu'on a l'habitude d'apprécier, sincèrement. Et c'est quand même dommage d'un côté, c'est comme, en fait, c'est comme dans tout secteur. Comme dans la musique, comme dans la mode, comme même dans la télévision. Voilà, il y a toujours de nouveaux talents, il y a toujours des gens qui vraiment voilà, font de choses magnifiques. Mais c'est dommage, on garde toujours les mêmes têtes, on ne connaît que les mêmes têtes, il n'y a que ces mêmes têtes qui sont reconnues. Et pourtant, il y a d'autres jeunes talents, il y a d'autres designers qui font de très très bons boulots, qui font un boulot magnifique, qui font vraiment de très très belles réalisations plutôt. Parce que là, avoir sa robe, très sincèrement, si on mettait un autre designer à la place Ou si on mettait même pas dedans, tu allais même faire pas allusion à quelqu'un, tu vois, d'hyper exactement, connu et tout. de très très bien connu, tu allais faire allusion à quelqu'un d'autre pour ne pas citer de nom. Et là, ça fait plaisir. Ouais, je parce que t'assure. vraiment, sa robe est magnifique. Ouais, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Ça, déjà, ça prouve que l'Afrique regorge d'énormes talents. Il y a du potentiel et puis voilà. Et côté visibilité ou encore opportunité, je pense que c'est à travers ce genre d'événements Exactement. que, en tant que célébrité ou encore personnalité publique, on est censé renvoyer l'ascenseur, tu Exactement. vois, en essayant de collaborer ou bien en essayant de porter l'article ou bien les tenues des stylistes qui font du beau boulot mais qui ne sont pas assez connus. Tu vois, à travers les apparitions, à travers les événements, ça leur permet, tu vois, de leur offrir une certaine visibilité et d'atteindre un certain niveau. Et c'est un réel plaisir, tu vois. Franchement, moi, je me dis, comment déjà, on a déjà souligné cet aspect-là, on a fait cette remarque ici, mais vraiment, le monde anglophone, ils sont tellement level, tu vois, c'est que toutes les occasions sont permises pour faire la fête, pour mettre en avant la On a beau culture, la tu mode vois. africaine, très sincèrement, ça fait plaisir. C'est comme ce qu'on avait l'habitude de dire. Est-ce que Sylvester insistait tout le temps là-dessus? Il dit qu'il n'aime pas trop dire la mode africaine, parce que la mode, elle est voilà, internationale, elle est partout. C'est de là. Mais moi, j'ai quand même envie de lancer un message là présentement. Soyons fiers. Exactement. Et très sincèrement, on peut être fiers ainsi. Chères vedettes, chères stars africaines, on a des designers, on a des gens super, super talentueux. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller s'habiller par un grand nom alors qu'on a quand même des gens qu'on peut lancer? Il suffirait qu'une vedette, qu'une très, très grande vedette prenne la tenue par exemple de Nalex ou d'un autre designer sénégalais, qu'importe, africain, on Et va c'est dire, pour parti. pouvoir vraiment lancer ce gars-là ou lancer cette dame-là. Donc Voilà. pourquoi hésiter? Voilà, je Soyons pense, fiers en fait. ouais, exactement. Et tu vois, c'est ce que Beyoncé essaie de faire depuis un certain temps avec son équipe artistique, tu vois, avec sa styliste personnelle et tout. Et il a fallu que ce soit quand même une personne qui nous vienne d'ailleurs. Tu vois. Se reconnaître nous ce qu'on a, pour que nous aussi nous puissions nous mettre. Alors que là, très sincèrement, écoute, la mode au niveau international, pour moi, elle a toujours été reconnue. On connaît toujours ses grandes têtes. On peut les citer, voilà, à l'aveuglette, on peut tous les citer. Mais je pense que c'est notre heure en fait. Exactement. C'est notre heure. Et on Là, la doit mode foncer. africaine, elle est vraiment dans On une doit très vraiment grande foncer et évolution. puis. Et on y est, hein. On y est, c'est magnifique de voir ça. Et là, je pense qu'on est en train de nous Détendre. livrer, Ouais. de parler comme on le veut. C'est normal aussi, hein. Ce sont des Voilà. choses qui te tiennent à cœur, Et que tu as puis. envie de dévoiler, que tu as envie de partager. Peut-être pas dans ce plateau-là, peut-être dans un autre plateau, si on Exactement. a l'occasion de le faire. Ouais. Et vu qu'on ne peut pas pour le moment, donc on va juste en parler un tout petit peu et vous lancer de petits messages par-ci, par-là. Alors, tu lui donnes une note de combien à Lilo? 7,50. Ah! Ouais. Moi, je vais quand même donner un 8. Ok. Yes. Super. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Oluwatosa
Ogundadegbe, honte de la couture, ben, très sincèrement, cher monsieur, ou cher, il est habillé en tout cas un homme culturel, hein, un vrai Africain, en quelqu'un qu'on respecte à première vue. Donc, cher monsieur, je fais salam alaikum, ou en votre langue, je ne sais pas, ou bien Nagadash, tout simplement. Je suis désolée d'avoir mal prononcé ton nom, je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais bon. On ne peut pas prononcer son nom quand on a faim. Je C'est pas t'assure. possible. Non, et là, je crève de faim, j'ai la dalle, la totale. Donc, sincèrement, Ogundadegbe, là, il faut vraiment avoir beaucoup de force pour prononcer Comme ce nom-là. j'aime le dire et tout, c'est un nom accidenté. Ah, très sincèrement. Les Nigériens, ils ont ces noms-là. Vous avez Franchement, toutes c'est quelque ces chose. des parents qui n'arrivent pas à s'entendre sur un nom. N'importe Écoute, quoi. ça me rappelle à mes 15 ans, vu qu'on était dans un groupe, tout ça, là, des amis. Donc, à chaque fois, vous étiez tellement idiots. On disait que la première à avoir un enfant va prendre les diminutifs de chacun d'entre nous pour donner. T'imagines si ça nous était arrivé? Heureusement que j'ai eu un garçon. Hein. Carrément. Très sincèrement. Il fallait prendre le diminutif là pour donner ça à ma fille. Non, ah, mais non, ça allait être trop bizarre, quoi, tu vois. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est pas ce genre de délire de temps en temps? On ne sait pas, hein, oh là franchement. Là, l'Afrique, vraiment. Des fois, on fait ces choses. On a dit, bon, quand tu n'as pas bien mangé, tu ne peux pas. Si c'est ton frère, tu ne vas jamais l'appeler. Exactement, c'est ton ami, tu vas juste arrêter au prénom. Ouais. Après, je pense que le nom, là, c'est dans son patois et tout. Ouais. Dans son dialecte. Certainement, ouais. Déjà, c'est pas l'anglais, c'est pas ni le français. Mais donc, très je suppose sincèrement, que c'est dans Brian, que ce soit du Wolof ou ce que tu veux, il faut avoir beaucoup de force. Et même déjà en Afrique, écoutez, je suis fière à 2000%, mais les gars, pourquoi on n'arrive pas à parler doucement? T'as remarqué ce problème-là? Des fois, tu te pointes, il y a un monsieur qui parle au téléphone à côté de toi. Alors, comme si le téléphone... En fait, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai pas, je sais pas la seule à avoir remarqué. Un vieux dans la rue, je te promets, quand il fait « Alors, tu penses qu'il y a quelque chose qui arrive ?» Ou bien quelqu'un qui discute avec genre ses amis. Écoute, tu auras plus de problèmes si tu ne comprends pas sa langue. Ouais, c'est pas faux. Attends, il se dispute. Il va se bagarrer, il va rentrer dans le téléphone pour se bagarrer. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je rentrais dans un taxi la dernière fois, le chauffeur... Attends, le gars, il exagérait très sincèrement. Il parlait en serrer une langue, voilà, sénégalaise ici. Mais le gars, c'est comme s'il s'en foutait, mais de ma tête. Et moi aussi, j'étais au téléphone. C'est comme s'il allait passer par le téléphone pour se bagarrer. Mais il parlait à l'aise et fort. Il a fallu que je lui dise, hey, monsieur, moi aussi, je suis au téléphone. Pour qu'il te se promets, calme. Dès que tu lui signales, il prend juste des secondes pour souffler. Il reprend. Et il reprend. On a ce problème-là. Donc, s'il faut vraiment déjà parler fort, faire comme si on se bagarre, et en plus avoir de ces prénoms-là, ça va être difficile. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je suis fière, je suis plus que fière, mais ce sont des choses à revoir. Oh, c'est clair. Et là, apparemment, tu n'oses pas parler. En fait, tu as tout dit. Tu as tout dit, donc j'ai rien à rajouter. Je ne comprends pas que le chapeau. Vous pouvez me tacler, vous pouvez parler de moi. Tu as tout dit, donc je n'ai rien à rajouter, tu vois un peu. En passant, je salue certains amis maliens là, à qui j'ai l'habitude de taquiner comme ça, surtout chez eux, quand ils t'appellent. Oh lui là, tout du tout j'arrive, je te promets, j'ai peur. S'il m'appelle et que je ne suis pas préparée, j'ai l'impression qu'il va me taper dessus. Je t'assure. Oh mais les gars, parlons doucement. Saluons peu aussi. Ouais. Pourquoi demander les moutons, les murs, là, les... Même les copains, s'il y en a, je ne sais pas, ils vont me demander. Quand même. Oh, désolé, hein. Désolé, désolé. Voilà quoi. Qu'on se dise la vérité, on est entre famille, on est entre nous. Hein. Bon, voilà, les autres ne nous regardent pas. Voilà. Et pour revenir à son look, Brian, tu as fini? Ouais, vas-y. Pour revenir à son look, c'est comme ce que je disais tantôt, le gars, il est vraiment respectable culturellement, il a respecté le thème. Et quand on parle d'extravagance, on ne peut pas passer outre cette couleur-là, on ne peut pas passer outre ces imprimés. Très sincèrement, ça le fait. Il a respecté le thème. Et ça lui va, hein? Ça lui va super bien. Je t'assure. Yeah. Comme tu l'as dit, franchement, il est resté totalement dans le thème et tout. On retrouve ce côté extra, notamment à travers la palette de couleurs qu'il a choisi, les imprimés, et puis ce côté culturel. On sait tous que le gros bobo, tu vois, ça fait partie de notre culture. Très sincèrement, son bonnet, Et je,
en passant, je salue autant pour moi l'audace. Mm-hmm. Parce que, tu vois, ah ouais, faut le dire. Parce que porter le rôle, c'est pas donné à tout le monde, ouais, plus souvent, plus tu vois. Là. Tu vois. Mm-hmm. Donc franchement, il a pris un très gros risque. Voilà, il est sorti de sa zone de confort, il a osé, il s'est essayé à ça, et puis franchement, le rendu est nickel, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, chapeau, allez. Ouais. Chapeau, oui. Et tu lui donnes une note de combien? Un 8. Ah, ça? Mm-hmm. Un 8 aussi. Mm-hmm. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Ozaz Ighodaro dans West Derby Franklin, Brian, je ne sais pas où tu es allé dénicher ces noms-là. Sincèrement, c'est horrible, c'est pour me fatiguer aujourd'hui. Parce que là, sincèrement, elle est belle en plus. Pourquoi ce prénom? Ah, tu connais pas la signification et tout. Donc, et en plus, c'est dans son plateau. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça a un sens. Non, c'est Brian, tout le monde connaît partout. Déjà, même si tu ne connais pas, c'est facile à prononcer. Bref, je suis désolée, mais là, encore une fois, elle a respecté le thème, très sincèrement. Et avoir sa tenue, le designer, le créateur a fait du bon boulot, a eu beaucoup, beaucoup de travail. Mm-hmm. Parce que déjà, avoir cette robe-là, longue manche, voilà, qui tombe carrément. Et en plus de cela, deux autres matières différentes qu'il a vraiment mélangées. Et mm-hmm. Il a fait du bon boulot parce qu'au niveau du bus, on voit que sont des nœuds qu'il a fait, donc il y a eu du boulot. Mm-hmm. Et même au niveau de, voilà, de son chapeau, je ne sais pas si c'est un chapeau ou si c'est un foulard, mm-hmm. sont aussi des nœuds qu'on retrouve là-bas. Donc il y a eu vraiment un très très gros boulot, un énorme effort qu'il a fait pour réaliser cette belle robe qui lui va et qui respecte et qui rentre carrément dans le tableau aussi. Et ça lui va bien. Ouais, comme tu l'as dit, franchement, rien qu'en voyant la déco, les matières, l'assortissement, mm-hmm. le design et tout, on sent qu'il y a eu... Il y a eu du boulot, mm-hmm. il y a eu des heures de travail derrière, derrière cette robe-là. Cette robe, mm-hmm. je dirais même chef d'œuvre mm-hmm. et tout. Franchement, c'est un réel plaisir de voir des designers qui respectent non seulement le thème, mais qui nous proposent des trucs hors du commun, mm-hmm. qui repoussent des limites et tout. Et puis, c'est un réel plaisir, quoi, tu vois. Très et l'autre truc que j'ai tellement aimé aussi, c'est l'agencement des matières. Bien sûr. Et l'association des couleurs des aussi. Couleurs. Mm-hmm. Et puis, elle aussi, elle met tellement en valeur la robe. Mm-hmm. T'as vu, non? Je sais pas pourquoi, mais ce style de robe, on retrouve ça souvent dans des pages publicitaires. Ça fait un peu pub, c'est juste ce style ouais, de ouais. robe. Mm-hmm. Et là, elle est encore dans ce cadre-là. Parce qu'avoir l'image, tu te dis directement c'est une publicité ou c'est quoi. En tout cas, ça le fait. Mm-hmm. Ça lui va super bien. Ils ont carrément reproduit cela. La robe lui va super bien. Et comme on l'a dit, elle rentre carrément dans le thème. Et voilà, encore une fois, c'est du bon boulot. Elle est magnifique, elle est très très belle. Et à la voir avec sa posture, tu sens qu'elle même épouse bien cette robe. Ouais. Elle-même, elle est bien, elle se sent bien dans cette robe. Ouais, exactement, elle est à l'aise, elle porte fièrement la création. Et puis, exactement. Elle apporte cette valeur ajoutée mm-hmm. à travers sa posture, la dégaine et puis le flow et tout. Quoi, tu yes. vois? Mm-hmm. Et tu lui donnes une note de combien? Un 9. Ah, il a aimé ouais. ah, bon. Grave kiffé. Quelle note? Je vais donner, je ne sais même pas. De toute façon, aujourd'hui, on donne de ces notes bas. 8,50. Mm-hmm. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour. Omo Wunmi Dada. Au moins, Dada est cool, non? Ouais. Dada. Mais son prénom, on laisse tomber. Et il est habillé en Swoosh Collections. Là, très sincèrement, c'est mon coup de cœur. Et je dis bien, elle a respecté le thème à 100%. Moi, je dirais même à 2000%. Ah ouais, carrément, si tu veux. Mmh. La tenue, il y a eu du boulot, encore une fois, comme on l'a dit, c'est très, très beau panache. Et là, je sens le pan tissé autant que le wax. Oui, oui. Donc, très sincèrement, pour tous ceux qui s'amusent à manier les tissus, à utiliser un peu de tissu ou de wax, et même juste pour les connaisseurs, on mm-hmm. sent que le pan tissé n'est pas quand même une matière facile à utiliser, facile à coudre. Mm-hmm. Et là, arriver à manier le pan tissé avec le wax, sincèrement, c'est du bon boulot, d'autant plus qu'elle en a fait une robe, très sincèrement, comme on dit tout le temps, assez large, très très large et en même temps super sexy. Elle est très très belle. Et là, je ne retrouve pas d'extension, je ne retrouve pas de nappe qui est super culturelle, mais là, elle vient avec un turban. Elle vient très sincèrement.
récemment avec un foulard super, super africain. Là, elle a un respect culturel, surtout, je surtout pas utiliser ce terme africain aujourd'hui, mais super culturel. Là, elle a respecté le thème, les tons, le ton de sa robe, très sincèrement, c'est imprimé, ce turban qu'elle a. Et que dire de ses lunettes, une autre belle création, exactement, très sincèrement. À première vue, je me suis dit, comment il va voir? Mais c'est juste un accessoire. Accessoire de mode, tu vois. De mode, quelque chose que tu utilises de temps en temps. Il y en a qui ont des lunettes à la main, comme ça, des fois, comme on a l'habitude de faire nous les femmes. Sans mettre cela, juste peut-être pour montrer que ouais, c'est une marque, elles sont belles, des trucs comme ça. Mais là, juste pour la pose, juste pour respecter le thème, elle s'est plutôt donné autant de mal pour avoir ce très, très beau résultat. Et magnifique, hein. C'est mon coup de cœur. Je t'assure, moi aussi, je te rejoins, c'est mon coup de cœur du jour. Je vais créer un concept. Genre à la fois large et sexy. Et le nouveau concept, c'est du over sexy. Over sexy, yes. Over sexy, tu vois. À la fois volumineux et sexy. Franchement, c'est un réel plaisir. Quoi. Franchement, c'est un chef d'œuvre. J'adore la tenue, tu vois. Le volume, la découpe, la fente. Et puis ce mélange de tissus. Ouf. Et d'habitude, ce genre d'imprimé aussi. Tu ne veux pas prendre de risque. Exactement. Surtout mélanger ça avec un autre tissu. Ouais, là, c'est pas évident. Mais... D'habitude, si on est tenté de mélanger avec un autre tissu, ce sont des tissus neutres. Ouais. Oui, neutre, carrément. Neutre, unique et tout. Mais elle a osé et puis elle a réussi le pari, quoi, tu vois. Ah. Et par rapport à ses accessoires, déjà le turban. À la nigériane. Exactement. Et puis encore les lunettes. Ah non, c'est pour ça que je disais pas tout à l'heure à l'africaine. Ben c'est à l'africaine. Oh, ok, disons à l'africaine. Bah, au Niger, tu trouves ça. Au Sénégal, tu vois, tout le monde, partout. Donc c'est vraiment africain, c'est vraiment culturel. Donc là, comme je l'ai dit, culturellement et extravagant. Non, t'as pas compris de le lire là. Culturellement extravagant. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Après, de toute façon, après, je vais me renseigner un peu. S'il faut utiliser l'adjectif, peut-être comment dire, ou l'adverbe plutôt. Mais c'est ça. Oui. Je vais me renseigner tout à l'heure. Je vais revoir mes devoirs. Oh, c'est donc clair. Là, elle est culturellement extravagant et très sincèrement, il est magnifique. Elle est très très belle. Je pense que bon, de mon côté, j'ai tout dit par rapport à ce. Franchement, avec ce look, elle incarne la beauté nigérienne dans toute sa splendeur, tu vois. Ce look, c'est le summum de l'exagération et de l'extravagance culturelle. Vas-y, parle. Franchement, j'ai... fais juste un coucou avec deux mains. Imagine que tu as compris ou ils ont compris. Ouais, non, en gros, c'est ça, quoi. J'ai tellement kiffé, puis je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Ouais. On a tout dit. Alors, tu te donnes un 10. Ah, tu as compris alors? Un 10. Yes, un 10 aussi, très sincèrement, direct un 10. On a adoré ce look-là. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, sans transition, nous passons directement au top et flop. Aujourd'hui, je les mets direct les flops. Pas de flop du tout. Même pas le bof. Donc là, on n'a que des tops. Et on a quand même un top des tops. C'est le dernier look, c'est un top des tops. Yes. Et toi? Ouais, comme tu l'as dit, on n'a pas de flop aujourd'hui, ni de bof. On a des tops et un top des tops, le dernier look aussi. Franchement, ça m'a tellement mis d'accord. J'ai été emballé par cette création, franchement, extravagante. Elle l'aborde super bien. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous donner un rendez-vous très prochainement, on va encore sous les bases, tu sais. Tu sais ce qui m'est arrivé tout à l'heure, là, je passais juste à côté de la salle de montage et Babs me disait... Lavez-vous les mains. Mettez vos masques. J'ai rien compris, je dis. Parce que j'ai l'habitude de mettre mon masque. Non, votre dernier tournage là. Enfin, maman, il s'est un peu amusé, j'espère. Hein. J'espère que tu t'es un peu amusé. On l'a saoulé. Mais tu sais quoi? C'est bien sûr. Ça fait plaisir aussi, on s'amuse. Hein. Ouais, on est là pour, voilà. Changer les humeurs, donner, mettre l'ambiance et puis... mettre à l'aise les gens, donc... être bof, yes. Voilà. Donc, Babs, t'inquiète, on va essayer de changer le refrain, on va s'inspirer, on va même écrire quelque chose, peut-être même ça va rester dans le thème,
Yes. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières, de respecter la distanciation sociale. Porter les masques. Et puis voilà, quoi. On ne cessera jamais de vous chanter l'évangile de la distanciation sociale. Voilà. Eh bien, je pense qu'il a tout dit. Et là, juste pour rajouter ma touche de folie, si vous n'avez pas envie de crever, mettez vos masques. Si vous pensez que la maladie elle est partie et que c'est fini, vous vous trompez, donc détrompez-vous, mettez vos masques. On n'a pas envie d'une autre vague. On espère vraiment que ça ne va pas venir. Mais surtout avec cette chaleur-là, c'est cool. Hein? J'imagine que le virus est en train de cramer. En tout cas, on l'espère. Hein? On espère qu'il va cramer à fond. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA, donc Fashion Police Africa. Bye.